Salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36 pour la suite du Let's Play sur Civilization Beyond Earth. Alors, petit point de situation, capitale Mandira, 8 de pop, un petit peu de temps pour 23 tours, c'est longuet quand même pour la prochaine montée en population. 5-14 pour Saïra qui est ma deuxième ville, et puis ma petite dernière, Asraya, avec 2 de pop là qui croit pas beaucoup, hein, qui croit pas du tout, qui est au point mort. On a perdu un petit peu de vitesse là, en milieu de peloton maintenant. Alors, plusieurs possibilités pour l'expansion après. Évidemment, là, il y a toute cette zone à l'est qui a pas mal de ressources là, de l'air roche. Et puis, ici aussi, c'est pas mal. Je pense d'ailleurs que ça m'a l'air bien plus riche. Il faudra que j'envoie une unité militaire un petit peu prospectée en avant. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et puis on va avancer dans les tours. Ouais. Oui, pourquoi pas, allez. Ouais. Je suis assez amical en général. Après, je cherche pas trop le conflit, plutôt à me défendre. Mais on verra comment la situation évolue. Hein. C'est pas dit que je reste complètement pacifique pour cette partie. Ouais, allez, on va t'accorder le libre passage. Petite comparaison au passage. Ouais, là je perds de l'énergie, hein. Faut que je fasse attention. Au niveau scientifique, je suis toujours pas mal. J'ai du titane, il n'a pas grand chose. Ok. Allez, libre passage, on verra si on peut s'en faire un allié fiable. En général, à ce stade du jeu, j'ai pas l'impression qu'on se fasse attaquer facilement, à moins de faire vraiment le gros port. Mais... ça c'est quoi, mes explos hein, qui sont là-bas en bas. Allez, on va continuer au sud. Ouais, là j'avais acquis des algues. Enfin... Ils sont dans les miasmes, pour pas dire autre chose. Il y a de l'or là-bas au passage aussi. Si c'est assez riche tout ça. Ok. Si pas trop aller dans les miasmes, ça fait bien. Je suis un peu obligé là. Là, il y a beaucoup d'Iti. Ah ouais. Si je fais comme ça, wow, tant pis. Allons-y. Marche arrière ou... Ouais, là, je vais les provoquer, je sens. J'ai pas envie qu'ils commencent à m'attaquer. Qu'est-ce que je pourrais construire? Barrière ultrasonique. Non, on va construire des choses plus importantes. Oui, la santé, c'est pas mon fort actuellement. Là, j'aurais plus ça en santé, plus ça en science. Ouais. Alors, nouvelle transmission cryptée. Voilà, oui, c'est vrai que je viens de construire le... Comment il s'appelle? Ah, je sais quoi, c'est bâtiment et merveille de la ville. Comment je fais? Oui, il est montré. Oui, d'ailleurs, on peut aussi affecter des commerçants pour augmenter. Alors, du coup, on produit plus d'énergie. Mais alors, qu'est-ce qu'on paye si j'en mets plus là? Oui, c'est au niveau de la nourriture. Donc, plus j'en mets là, moins j'ai de croissance. Donc ça, c'est une manière de faire un petit peu de micromanagement, effectivement. Tac, tac, tac. D'ailleurs, je passe en revue ce que j'ai fait. C'était, voilà, l'agence de renseignement. Alors, retour. Opération secrète. Alors là, si je laisse des... pour chaque tranche, je crois, de 2 espions qui restent dans la ville, enfin au QG, par exemple, je peux augmenter la production, la défense de la ville, les risques encourus par les agents secrets lors des autres opérations. Moi, je vais mettre de la santé. Allez, de toute manière, je vais tous les assigner. Alors, eux, c'est... Ah, j'arrive pas à reconnaître. Voilà, l'Union africaine. Allez, on va envoyer chez les Africains. On va envoyer. Ça, c'est chez moi. Je vais pas faire de. Oui, si, je vais faire un peu de contre-espionnage. Et puis. Les Slaves.
Voilà. Et qui seront arrivés dans la ville au prochain tour, je pourrais leur assigner une mission. Qu'est-ce que colonisateur? Ouais, je risque de pas assurer vraiment avec au niveau de la santé pour l'instant. Je vais encore temporiser. Je vais faire un convoi commercial. Barrière ultrasonique. Non, je suis pas trop emmerdé par les aliens. Vivarium, c'est pour la croissance. On construit des unités. Un ouvrier. On va faire remonter l'explorateur un peu vers la maison là. Dans vos veines, Alors, on a découvert la biologie. On peut construire l'usine de biocarburant. Voilà, c'est pour ça que j'avais les algues. Et puis un dôme, ça fait de la culture en plus. Qu'est-ce que vers où on va se lancer? J'aimerais augmenter mon affinité vers la pureté. L'argénique, je m'en fous un peu. Mais par contre, là, ça va me permettre d'avoir des structures qui me font de la santé en plus. Si j'atteins le niveau 2 en affinité. Est-ce que ça sera suffisant? Je sais pas combien ça me donne. Allez, on va tenter. C'est 12 tours. Y a pas trop d'aliens là-bas, je crois. Ouais, ça va être pas mal pour envoyer incessamment sous peu. Il faudrait que je fasse des colonisateurs. Il faut aussi que j'améliore la santé. Je peux pas vraiment me permettre de dépenser de l'énergie, j'en perds encore même. L'usine de biocarburant, une source aménagée d'algues. Ça me donnerait de l'énergie, ça. Il faut que j'envoie dès que l'ouvrier est construit. Je crois... Ah non, c'est les barges. Ah oui, je crois que c'est des barges de travail ou un truc comme ça. Qui s'y peuvent exploiter les algues. Explorateur, non. Convoi commercial. Je viens d'en faire un. Colonisateur, bon, bah je pourrais le construire même si je fais pas la ville tout de suite. Est-ce que là, il y a moyen d'avoir une valeur qui m'améliore la santé? Oui, alors là, ça ferait plus cette domination de l'esprit sur la matière. Mais d'abord, je dois passer par. Clan colonisateur, énergie plus 3 pour les routes commerciales avec des villes étrangères, ouais. On va joindre l'utile à l'agréable. Unité en attente d'ordre, bah justement. Ah oui, je dois la bouger de ville. Un emplacement disponible, Asraya. Toi, tu vas là. Et puis, juste vérifier les barges. C'est la voilà, barge de travail. C'est pour les algues, ouais. Allez, on va faire ça ces 3 tours. Il faudra qu'on revienne tout à l'heure. Mince, qu'est-ce que je... Oui, les conceptions génétiques. Mais le tour a été emmagasiné déjà. C'est pas perdu. Ok, alors cet ouvrier-là... Non, bah non, ça me sert à rien. On a dit que c'était des barges. On va l'envoyer en automatique. Ici. Ah, je peux pas... Ah non, je suis trop loin des... Des stations là. Bon, ça c'est con. Ça c'est con. Et puis si je la bouge à maison, ouais, ah oh merde. En tout à occuper, il faudrait que je sais plus quelle est la technologie qui me permet ou qu'est-ce qui me permet d'augmenter le nombre de routes commerciales si c'est une valeur. Ah, je sais plus. Bon, on va le garder au chaud. Alors ici on doit construire les commerces des unités commerciales, bah oui. Vivarium, ouais, c'est le même problème qu'avant. Bah, on va faire développement industriel, hein, ça va faire de l'énergie, en tout cas j'en perdrai moins. Puis l'explo, il a rien à explorer. Pas de petit satellite perdu, rien. Allez, envoyer par là-bas. Je souhaiterais attirer votre Ouais, attention sur un bon. point. Puis si je l'envoie à Mondir, ouais, mais. Pff, sert à rien. Je vais me mettre en sommeil. Ok. Toute planète possède une Voilà, valeur ça c'est bon, j'ai les barges de travail.
Technologie, on a dit qu'on allait vers la conception génétique. Pas que je m'y perde trop. Là, est-ce que je peux construire quelque chose? Non, c'est la même chose qu'avant. Ok, et moi j'aimerais. Barge de travail, voilà, c'est ça que je voulais voir. Je sais plus si on doit y construire ou si c'est finalement les ouvriers qui peuvent le faire. Allez. Barge de travail, barge de travail, barge de travail. Est-ce que ça veut pas dire que c'est finalement les ouvriers qui ont une nouvelle fonction? Bon, on va enlever l'automatisation, on va voir au prochain tour. Eh bah, peut-être bien. Ils ont exploré là-bas en haut, il n'y a rien. On va le laisser par là pour le prochain colonisateur qu'on va faire. Ok. Oui. Bah ouais, c'était ça, construire une barge de travail. Ce qui va me permettre de faire. Oui. On va le placer là. Ah, mince, j'ai pas le colonisateur sélectionné. Non, c'est d'abord ça. Ok, explorateur. C'est l'usine de biocarburant, donc il me faut encore 4 tours. Ben, on va faire aussi de l'énergie, parce que j'en perds. Alors, un bonus en nourriture, non, en recherche, oui. Achever la construction de l'arche génique. Bravo. Je dois déplacer l'unité empilée. On va l'envoyer là. Tour suivant. Ouais, j'aimerais bien améliorer ma santé, là, ça m'embête un peu. Ah oui, il y a mes espions, j'oubliais. Choisir une mission. Donc, le premier, on va s'établir un réseau. Ils vont prendre de l'XP, gentiment. Je vais le laisser là et puis on va le soigner. Il est un peu pris à cause de ces conneries de miasmes. Ils peuvent vraiment pas avancer vite, ce machin. Oui, c'est les conceptions géniques. Hein. Il me faudra le niveau 2 en pureté. Je suis à 6 sur 12. Et je ne sais pas combien ça me donne l'affinité que j'ai avec la technologie. Donc, production des unités, c'est la décision de quête concernant le complexe de lancement. Alors, couverture orbitale plus grande, on va prendre ça. Oui, il avance lentement, pardon, lentement aussi parce qu'il est dans les collines et les forêts. J'ai découvert une nouvelle station. Et voilà, j'ai ma barge. Et j'ai des algues. Et je vais pouvoir construire l'usine de biocarburant. Ok, nickel. Dans 8 tours, elle sera là. Je crois pas que c'est valable pour eux. Il faut que ce soit la ville, évidemment. Je suis un peu con. Et là, il y a des. C'est quoi ça? Du corail. Et des algues un peu plus loin, mais c'est 3. Ouais, non, c'est trop loin. Trop loin. Mais normalement, ça, je dois pouvoir acheter, oui, pour 55. Ok. Unité nuit bloque cette case. Vous ne pourrez l'exploiter. Ouais, d'accord. Bon, je vois personne pourtant. C'est quoi? C'est le poulpe là? Poulpe porc? Non, le dragon des mers. Bon. Ah, mais je pourrais lui donner des coups de pied au cul avec, avec ça. Ouais. Attendez, je vais venir là. Est-ce que je déploie mon satellite? Non, j'en ai pas besoin pour l'instant. J'en ai pas vraiment besoin. L'ouvrier le remet en automatique. Est-ce qu'il n'y a pas un emplacement de ville là qui se débloque? Non. Peut-être que je m'avance. Ah, il prend des miasmes. Excusez-moi, j'ai une information importante. Merci. Non, toujours personne.
excuser, mais je peux peut-être... Alors, relique de la terre ancienne, le pharma laboratoire, le recycleur pour la production. On va prendre la culture. Susan Fielding a fait la paire, je ne savais même pas qu'ils étaient en guerre. Promotion d'un agent secret, oui, je peux d'ailleurs leur dire de siphonner de l'énergie, ça c'est utile. Et j'en ai besoin. Alors, s'ils se font découvrir, évidemment, ça va un petit peu détériorer les relations, mais bon, on peut se permettre un peu au début. Et puis ils ont établi leur réseau, ça leur donne des bonus quand ils font des actions clandestines. Et puis à force, ça va augmenter le niveau de... Ah, comment ils appellent ça ? Le niveau de... C'est en fonction des missions de conspiration, voilà. Et c'est ça, ces petites icônes. Il faut un certain niveau de conspiration pour accéder à des missions de plus en plus dangereuses, mais de plus en plus utiles. Lui, on va le mettre en sommeil par là. On amène gentiment le colonisateur. Ok. Ouais, il a quand même pris cher là, notre explo. Conception génique, enfin. Alors, on va lui dire de construire... Ah, mais je croyais que j'avais à disposition... Ah, mais c'est, j'ai pas encore le niveau en affinité, c'est ça. Merde. Il va encore prendre un peu. Il faudrait que... Oui, que je développe ça. Ça me permet... Ouais, l'argénique, ça m'intéresse pas trop. C'est ça le problème. Ouais, les biopuits, puits de xénomas. Ouais, bon, ben voilà. On va développer cette technologie, ça nous donnera un peu d'affinité pour la pureté, et comme ça je pourrais avoir les jardins géniques. Et puis il y a aussi l'autre moyen, c'est de développer la domination de l'esprit avec santé plus 7. Mais ma prochaine valeur, elle est dans 24 tours à ce rythme. Ouais, ok, ça avance bien là. Alors, est-ce que je vais faire au bord de la mer, peut-être ? Ce sera un peu éloigné, quand même. Au milieu, ici, on va juste afficher quelque chose encore. Des icônes de production. Si je me mets là, je suis assez bien entouré. Il y a de la nourriture. J'aurai accès à toutes les ressources intéressantes, sauf le pétrole. Ouais, il y a la phyraxite là-bas. Mais moi, je vais plutôt pour l'aéroche. Et l'aéroche... Oh là là. Est-ce que je devrais pas me mettre plus bas? Là, il y a la mer, il y a les algues. L'aéroche, ça, je devrais en obtenir ici. La phyraxite, là. J'hésite. Qu'est-ce qui est mieux? Le corail. Ah, là, je peux envoyer mon explorateur. Moi, j'avais pas vu que c'était des ruines des progéniteurs. Silice de la science. Si je reste là au milieu. C'est pas mal là au milieu, finalement. Pas beaucoup de bouffe, hein, par contre. Ah, il y en a là. Va falloir que je paye un peu, mais l'énergie, j'en perds. Bon, allez. On va fonder l'avant-poste. C'est parti. Bah, du coup, je vais faire revenir, par là. Petite décision de quête, augmentation aux humanités. Allez, rétablir leur humanité. Bon, il se passe rien. Ah, bah voilà. J'ai construit mon biopuits. Centre de réparation. Bon, allez, on va le construire. Ouais, pas mal d'énergie. Mais il me semblait que j'allais en gagner plus, pour être tout à fait franc. Là, on exploite tout ça ou pas? Est-ce qu'il faudrait que je construise un peu d'ouvriers en plus?
Ouais, ça m'est proposé. Il me semble aussi que j'ai pas beaucoup de cases aménagées. Je peux construire des navires. Alors oui, de la santé. Pharma laboratoire. 14 tours. 3 en santé. C'est parti. Surtout que j'ai l'avant-poste qui va bientôt se développer. Niveau classement, je me maintiens, mais il y a les Slaves qui commencent à prendre de la distance. Connexion urbaine qui a été faite. Ça devrait me faire gagner aussi un peu d'énergie. Ah, je vais faire disparaître les icônes de production. Est-ce que je les remets en développement? Ah, peut-être culturel. Enfin, développement social, ça me donne des points culturels. Et ça va m'accélérer le gain de santé. Comme ça, je construis un vivarium. Comme ça va booster ma population. Et de ce fait, ma production, les spécialistes, etc. Nouvel ouvrier, on va le mettre en aménagement auto. Il faut que je recolle un petit peu avec ceux qui sont devant. Ok, pour le libre passage. Il faut que j'aie plus d'énergie, comme ça j'achèterai des cases autour plus rapidement. J'aménagerai plus, peut-être faire encore un ouvrier. Toi, tu vas te soigner un peu. Non, j'aurais pas dû lui dire de faire ça. On va bosser d'abord. Ah, il est dans les miasmes. Ouais, il va crever avant de terminer sa mission. Alors finalement, c'était pas une mauvaise idée de le soigner. Ouf, je suis à moins 6. Ah oui, il s'est déjà développé. Bon, bah, je vais faire l'entrepôt. Ça me boostera ma production. Je préfère commencer par là. De toute manière. Avec la prochaine valeur dans 5 tours, plus 7, je devrais pas passer en positif. Ça fait un petit malus de développement pendant quelques tours. Ma foi, il faut accepter, c'est la vie. Je pourrais même accélérer ça. Ça passe juste pas. Lui, il bosse ou quoi? Plus 1 en couverture, production des unités militaires, plus 5%. Ouais, parce que j'ai pas trop utilisé encore l'orbital. À part pour enlever des miasmes. Et pour l'énergie. Allez, on va explorer là. Il y en a pour 5 tours, il devrait survivre. Voilà. Donc, domination de l'esprit sur la matière. Ben voilà. C'était plus 7, mais bon, je sais pas si, je crois pas que c'est complètement linéaire. Il va y avoir des effets de palier. Ouais, un petit réacteur à thorium. Ou un recycleur pour la production. Ouais, le réacteur à thorium. Et ça se développe pas ici. Hein. Y a pas assez de nourriture. Faudrait que. Allez, Mondira, tu te réveilles un peu et tu vas nous faire un ouvrier. Alors, énergie ou production énergie? Je souhaiterais attirer Alors, votre agent attention sur secret, un voilà, point. bah, ils ont siphonné l'énergie, là, vous voyez, j'ai augmenté. Ils sont agents spéciaux maintenant. Voler de la science, il faut un niveau de conspiration plus élevé, voilà, ce qui n'est pas encore le cas. On va continuer à les susauter discrètement, si vous me passez l'expression. Veuillez m'excuser, mais je peux Alors peut-être vous siphonner aider. ça. Centre de réparation, production d'unités terrestres, non. Après, il faut entretenir aussi tout ça. Convoi commercial. Oui, je pourrais en construire un. Il y a devant un slot qui s'est ouvert dans ma nouvelle ville. Enfin, qui est pour chaque ville. Pop, pop.
Bon, bah, va continuer cette fois avec un peu d'énergie. Ok. Là, c'est qu'est-ce qui était construit? Un ouvrier. Ouvrier du PKA, mais c'est pas les miens. Ça, c'est mon satellite. Ça, c'est le convoi commercial. Ok, bon. Ah oui, bah oui, c'est à moi. Allez hop, automate. Ah non, mais je voulais pas le mettre en automatique, je voulais l'envoyer où déjà? Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, aménager pour de la nourriture, mais là, il n'y a pas beaucoup de nourriture. Si j'achète des cases, du coup, je peux. Alors, ici. Ah, j'arrive pas là. On sait qu'il y a des cases avec de la nourriture. On a là, mais il y a des miasmes. Un peu là. Ouais, c'est quoi? C'est des cases de désert, tout ça. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est quoi, ouais, du désert? On est dans le désert, là. Puis la mer, je peux rien exploiter. Et puis, est-ce que je peux acheter des structures qui donnent un vivarium, par exemple? L'acheter. Ça coûte combien? 340, je peux. Voilà, ça relance la croissance de la ville. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans les ruines? Ruines des progéniteurs, plusieurs membres de votre expédition ont simultanément eu la vision de la construction d'un immense appareil plus grand qu'une ville. Cette vision était tellement détaillée que l'équipe a pu partager quelques informations avec votre peuple, vous faisant ainsi gagner un niveau pour une affinité. Ben voilà, c'est ce que je cherchais. Mais je peux choisir, ouais, niveau, bonus, bah, pour la pureté, ok. Tous les jours, je pense à la Terre. Ouais. Un mot, une phrase m'évoque une leçon à apprise. Eh oui, la nostalgie de la Terre, le sol. Ok, bon, bah écoutez, là, je suis allé un tout petit peu plus loin que ce que je voulais faire pour cet épisode. C'est pas grave. Je crois que ça se présente pas trop mal. J'ai réussi à recoller un petit peu avec le deuxième. 300, 330, ouais, j'ai un petit peu réduit l'écart, donc plutôt de bon augure. Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soirée, nuit, etc. C'était DRK36 sur Civilization Beyond Earth. Excusez-moi pour mon anglais, et je vous dis à très bientôt. Ciao.